entier est un virus. Il est impossible de se voir. On dînait, on était tous les deux confinés dans un studio de 30 mètres carrés. On n'était pas préparés à ça, toi et moi. J'ai oublié par erreur mon attestation. J'avais pas marqué l'heure, je me suis planté dans la raison. Elle court, la maladie tout court. De Chine jusqu'à Paris, la terre entière est envahie. Des pistes, tant que le doute existe, traque le virus partout, va. Elle m'a dit d'aller tousser là-bas dans la cuisine, de l'attendre avec une petite plaquette de chloroquine. L'argent magique, une histoire de fou. Tu crois qu'il n'y a pas de sous, et en fait si. Zoom, j'ai rendez-vous sur Zoom. J'utilise plus que Zoom, cette appli est une merveille. Déconfinez-moi. Déconfinez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Il suffirait de presque rien, juste un kilomètre de moins, pour que je passe prendre un verre. Mais ton département est rouge, et il faudra pour que tu bouges, attendre qu'il devienne vert. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes au total, et se prendre une prune de 135 balles. Elle est chiante. Elle est chiante, l'infection insolente, et unie en réa, les prolos et les chefs d'État. Confinés, on a bien failli s'entretuer, heureusement qu'on n'était pas armés. Bien sûr, le 11 mai, il pleut, ça pouvait pas tomber mieux. Zoom. Quand je mange, je suis sur Zoom. Même quand je dors, je suis sur Zoom. Oh, je tousse tout ça. Je tousse et je suis de plus en plus seul. Tellement si bête, je l'aime tellement si fort. Mais si je meurs demain, je serai sans tristesse. Car au moins j'ai revu tous les films de Louis de Funès. Oh, je tousse tout ça. Reconfinez-moi. Reconfinez-moi. Y avait que ça dans l'actualité. Maintenant on ne sait plus quoi chanter. C'était plus simple à mon avis. Autant béni de la pandémie. Certes, y a eu quelques milliers de morts. Mais je n'ai pas trop de remords. J'ai investi chez Sanofi. Autant béni de la pandémie. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Parler des violences policières. C'est pas malin à mon avis. Ça va t'attirer des ennuis. On prendra en tout cas cet été des grandes vacances bien méritées. En se rappelant entre amis le temps béni de la pandémie. On pense encore à toi, Corona.